Eh bien, salut tout le monde, salut les arts, j'espère que vous allez bien, oh, ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur un jeu qui s'appelle Gun Mayhem 2. Donc ben, là vous voyez écrit tout d'abord, donc je vais juste regarder mes touches. Donc, je vais mettre celle-là à la place, je sais pas, je mets n'importe quoi, et là je vais mettre ça. Donc comme vous voyez dans le menu là, vous pouvez choisir vos touches en option, pour choisir les touches donc par ordinateur, enfin non, en fait c'est le maximum de joueurs parce que vous pouvez pas jouer en ligne, c'est ça. Donc voilà, excusez-moi. Donc on va faire pas envie de faire la campagne survival, voilà, c'est très bien. J'avais envie de vous montrer, je crois que c'était ça. Que moi je me fais mon bonhomme. J'aime bien comme ça. Et c'était comme ça, voilà. Voilà. Donc là vous pouvez choisir la couleur de votre personnage. Là la tête, donc il y en a pas mal. Là, le visage. Et là sa tenue. Là, donc la couleur comme je vous ai dit, là son pistolet, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça comme pistolet, sauf que ça c'est ceux de base. Donc moi personnellement j'aime bien les deux là, mais je préfère quand même celui-là, il est un peu mieux. Et là vous choisir vos atouts, donc ça bah, vous en avez pas, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est normalement vous pouvez faire deux sauts, bah, là vous pouvez en faire trois. Donc ben là vous avez 33% de plus d'avoir dans, donc il y a des boîtes, dans les boîtes d'avoir des un minigun. Ça c'est pour que vos balles je crois elles partent tout droit, ça je sais pas. Ça vous avez 33 munitions de plus. Ça c'est au lieu d'avoir 3 grenades vous en avez donc 2 de plus, donc 5. Ça c'est quand vous spawnez pas avec votre petit gun là, vous spawnez avec une arme au hasard. Ça c'est au lieu de jeter des dynamites, donc comme ça vous jetez des canards qui bougent et qui explosent un peu plus fort. Ça c'est vous avez infini de pistolets là. Ça c'est donc à chaque fois que vous prenez une boîte vous avez l'arme là. Et ça je sais plus trop ce que c'est, mais je n'aime pas je crois. Donc moi je vais prendre ça, voilà, donc on y va. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez donc pour ceux qui connaissent Call of Duty, c'est exactement la même boîte magique. Bon là vous voyez au début c'est bon, ça c'est facile, mais après au fur et à mesure bah, ça se corse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là comme vous voyez j'ai eu un bonus. Mon personnage est tout petit. Ah, je suis mort. Dommage. Donc pour les dynamites, donc c'est la touche que vous avez choisi. Donc moi c'est ça. J'espère le tuer mon ami, parce que j'aime pas trop les bots. Donc c'est pas mal ce jeu. Donc je vais essayer de tenir quand même assez longtemps. Bon, elle est en train de me mettre cher, mais c'est pas grave. Ok, je suis pas très fort. Hein. Donc ça c'est un boost, vous allez beaucoup plus vite. Enfin, je pense que vous voyez. Donc si peut-être vous avez vu au début de chaque manche, sur moi j'ai un bouclier, un truc tout rond comme ça. Ça vous protège un petit peu plus des balles, vous êtes moins touché aux balles. Donc la Gatling. Donc aussi vous avez des points au-dessus, ça sert absolument à rien, ça va pas vous faire gagner des trucs. Donc là, heureusement que j'avais le boost. Ouais, dommage. Bon, je suis vraiment nul en fait, hein. Aujourd'hui ça va pas, c'est pas mon jour. En fait je fais exprès. Je suis déjà mort. Manche 6, je gère. C'est du rien quand je dis je gère.
Donc si dans Weapon Library vous avez toutes les armes, il manque quand même pas une. Je vous montrerai celle-là parce que je vous ai parlé de la Gatling. Donc en fait en gros l'arme là c'est vous tirez sur le bonhomme, c'est comme un snipe sauf que il éclate, sauf une petite exception quand il a le bouclier sur lui. Donc c'est la seule exception. Et sinon il éclate. Voilà, donc après à vous de tester les armes si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Après vous avez ça, donc ça c'est des petits défis. Moi, là, je vais peut-être un petit peu faire la campagne avec vous. Je prends donc ça. Bon, là, c'est facile qu'il y a marqué AZIA. Voilà, donc là, je le fais décoller. Donc, je sais pas du tout à quoi ça correspond, comme vous avez vu, j'espère. Greeting Wood et tout ça. Je sais pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis en train de lui mettre cher. Non, il m'énerve. Bon, c'est un petit peu facile là. Donc, oui, les dynamites vous font aussi mal à vous. Et même à vos amis. À tout le monde, en fait, elles font mal. Bon, il y a certaines missions, elles sont un petit peu faciles, mais. Mais voilà, après il y en a d'autres qui sont plutôt compliqués, enfin ça dépend. Après voilà, comme vous voyez, il y a du petit bonus là, donc ça c'est le jetpack. Comme vous voyez, ils ont fait un bonhomme un peu délirant. Enfin, vous de personnaliser votre bonhomme, c'est ça qui est bien dans le jeu là. C'est que vous n'avez pas toujours le même bonhomme. Enfin, vous pouvez le personnaliser. Donc, on va faire un test. Je vais faire toute la campagne avec vous. De toute façon, elle n'est pas tellement longue. C'est quoi, on dirait un lance-grenade. Oui, donc il y a aussi un truc que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'ils mettent un truc, je sais plus ce que c'était, qui sert à avoir munitions illimitées, parce que comme vous le voyez, j'ai munitions illimitées. Mais bon, je sais pas. Par contre, lui m'énerve à sauter. Ça, je sais plus ce que c'est. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc, bah, je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, et voilà, c'est tout. Donc, je pense que bah, je vais arrêter de parler. Puis, j'ai bien parlé. Je pense que je vous ai tout expliqué sur ce jeu. Et je vais juste vous laisser la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et voilà. Je sais pas comment on fait pour couper le son. Bon, tant pis. Voilà. Bon, salut tout le monde.